Bonjour à toutes et à tous les Casmas, bienvenue pour ce nouvel épisode de Retour à la Caspienne, toujours avec mon fourgon de fortune. Les choses se passaient bien, en tout cas jusque là. On va faire ce qui était prévu, c'est-à-dire on va aller regarder pour fouiller ce Batal. Et une fois ça fait, eh bien on ira tranquillement explorer la zone du bidonville qu'on a très vite zappé en fait, parce que on s'est retrouvé à moitié en galère avec d'un côté une tornade et de l'autre ces espèces de comment ils appellent ça, les humanimaux là qui nous poursuivent. Donc ouais, c'était très compliqué. Alors attends, parce que ce bateau je l'ai vu de loin et je me suis dit, oh ça serait trop bien de pouvoir l'explorer, mais si ça se trouve en fait c'est juste du décor. Et en fait ça a juste l'air d'être du décor. Attends, je dis pas que c'est juste du décor, non, parce que c'est vrai que ça ferait pas mal décor hein. Bon. Eh bien, apparemment, tout à fait. Parallèlement à la parallèlementisation de ce que je pensais, c'est totalement un décor. Par contre, la parallèlementisation du parallèle, ça ne veut rien dire du tout. Bon, heureusement, je suis rassuré parce que pour le fourgon, il n'y a pas besoin de carburant. Visiblement, il n'a pas non plus de barre de vie. Je crois pas qu'il ait besoin de le réparer. Quoique, on sait jamais, hein, on peut être surpris. Mais voilà. Tous ces petits détails qui auraient pu nous foutre bien dans la merde, visiblement, n'existent pas. Ou en tout cas, dans ce mode. Parce que si ça se trouve. Je suis coincé, ah c'était sûr hein. Si ça se trouve, oula, c'est compliqué, qu'est-ce que je suis en train de faire. Si ça se trouve, on va faire demi-tour. Si ça se trouve, je vais finir ma phrase hein. En mode ranger difficile, peut-être qu'il y a une jauge de carburant à remplir. Et ça ne m'étonnerait qu'à moitié en fait, parce qu'il y a des bidons un peu partout qui pourraient servir justement à remplir ce fourgon. Oh là là, oh c'est compliqué. Vas-y, on peut tout faire avec ce machin. Ok, bien stylé. Putain, ça fait penser à Battlefield hein. Ah, je sais pas pourquoi. Un petit côté Battlefield. Alors par contre, du coup, dans l'épisode précédent, on avait commencé à chercher des abris, mais on en a pas trouvé. Donc je commence à me dire qu'il y en a peut-être pas. Ah, et on est de retour ici. Alors, ici il y avait quoi? Ici il y avait une première station essence. Alors, dans la station essence de la Volga, j'avais trouvé plein de choses. Par contre, dans celle-ci, j'ai pas trop eu le temps d'explorer, étant donné que je me suis vite fait moucher par les ennemis. Il y a une ouverture de l'autre côté. On va aller voir ça un petit peu mieux. Putain, mais ce bidonville de violence... Je peux passer par là? Alors, je peux passer par là. Je sais qu'il y a une porte, donc on va y aller. Il n'y a pas grand-chose ici. Il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, c'est parce que... Il n'y a pas grand chose que je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ok, bonjour. Alors, première ressource, bien. Ensuite, placard, nope. Produits chimiques, oui. Ça, c'est fermé. Par là, il y a quoi d'autre? Il y a des armoires. Ok, on ne sait toujours pas s'il y a des pièces d'upgrade. Parce que, vu la longueur du paquet, je me suis dit, oh, là-dedans, il y a un truc bien. Mais oui, alors, il y avait des ressources, mais ça s'arrêtait là. Et c'est à peu près tout. Non, parce qu'il me faut un établi en fait. Et ça m'embête de retourner jusqu'au train. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de trouver vraiment des zones protégées. Alors par contre, voilà, on coupe la lumière. Parce que c'est pas nécessaire. On se méfie. On a vu que les mutants pouvaient faire corps avec les murs. Donc c'est ce qu'on aimerait éviter si c'est possible. Il y en a un là. Lui là. Ah mais regardez-le. Voilà. Allez hop. Bon par contre le problème c'est aussi ça. C'est que là en termes de discrétion on est mauvais de chez mauvais. Ok, super. Belle tapisserie, enfin c'était pas une tapisserie, c'était un tableau je crois. Mais on va dire qu'il y avait une belle tapisserie aussi hein. Parce que nous sommes des casmalogiques. Tout à fait. Oh il y a un chien. Oh le pauvre. On n'a pas croisé de gentil chien jusqu'à présent hein. On a croisé un méchant chien. Mais juste un. Et c'est tout. Alors j'ai vu un truc par là-bas. Ah c'est ça que j'ai vu. Ouais. Attends. Il y a ces espèces de totems un peu partout là. Je pense que c'est pour indiquer le vent. À mon avis, on devrait très vite trouver le moyen. Oh. La flamme sacrée consumera nos ennemis. Le baron. Super. On est encore tombé sur des psychopathes. Fan. Non mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Et j'en ai marre hein. Franchement j'en ai marre. Je suis même un peu énervé ni effrayé parce que non juste j'en ai marre. Allez ça passe pas.
Ok, ils me suivent très lentement, mais ils me suivent, enfin ils essayent. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir bien plus, hein. On retourne au fourgon. Vous avez raison, on retourne au fourgon. De toute façon, ils vont bien nous lâcher à un moment. Pas besoin de les tuer, ceux-là. Non, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a 4 derrière moi, 3 devant. Non, mais c'est du délire, hein. C'est du délire. Alors, la station, elle est là-bas. Hop, super. Juste à éviter d'en spotter entre les deux. Il y en avait un au sol, là, non? Je crois. J'ai un doute. Allez, bouge. Ressources. Ok. On prend ça au passage. On avance. Vas-y. Allez, embarque. Dépêche-toi. En plus, je pense qu'on peut se faire propulser, hein. Ça serait dommage que ça arrive. Super. Alors, la maniabilité est pas mal, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais hop, elle vaut le coup. C'est juste qu'elle est un petit peu lourde. Mais en fait, une fois que le véhicule est lancé, ça va. Tu fais un peu ce que tu veux. Allez, à droite toute. Super. Eh bien, parfait, terrible. Attends. Je vais afficher un truc. Ok. Bon, on va voir, hein. Après tout. Comme ça que ça fonctionne. Je me demande si je peux mettre des coups de pare-choc, je pense. Ah. Me dis pas que j'ai coincé le fourgon. Non mais c'est pas vrai. Oh, c'est bon. Ok. Oh mais j'ai pas. Mais c'est pas vrai. Attends. Évite de vouloir tout couper, Kazma. Cherche les routes, c'est plus. Voilà. Il y avait une route en plus à moins d'un mètre et demi. Vraiment que tu le fais exprès, hein. Oui, donc ça là. Ça sent le truc à fouiller. On va voir. Allez, on va voir. On va voir, mais on rappelle qu'on n'a pas de mule, hein. Donc la moindre petite attaque peut être dévastatrice. Bonjour. Ouais. Y a pas réellement plus. C'est très Mad Max. Du coup, qu'est-ce qu'on peut apercevoir d'ici? Ah, mais c'était un océan avant. Ah, mais attends, on est dans l'eau, là. Ah non, pas du tout. Mais non, mais il y avait de l'eau ici avant. Ça se voit, hein. Avec tous ces cadavres de bateaux. Il y a un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Putain, mais ce bateau-là. Non, ce bateau-là, il réserve un truc. Même chose. Je regarde, hein. Ouais, bah ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et le fait qu'il n'y ait rien, mais genre rien, ça met encore plus la pression. Surtout que je suis tout seul, hein. Bon bah c'est parti. Partons à l'exploration. Allons voir un petit peu ce qu'on peut trouver. On va longer un peu les bords, je pense. Est-ce que je m'attarde du coup sur les bâtiments? Ah, celui-là, non. Celui-là sûrement parce qu'il est balèze. Celui-là, je me vois bien trouver un truc et en même temps, j'ai pas de balles, hein. Ce qui est pas pour me rassurer. Quoi? Super. Ben voilà, super, top. Meurs. Alors, je sais que j'ai des balles enflammées, mais je pense que les balles enflammées, j'aimerais les garder pour des trucs un peu plus intéressants. En espérant avoir le réflexe à ce moment-là. Oh, il y a des trucs, là. Là, il y a des trucs. Ok. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de la lumière. Il y a ça. Il y a l'air d'avoir un lit. Mais il n'y a pas de porte. Donc je ne m'installerai pas. De toute façon, je ne peux pas. Oh la vache! What? Ok, c'est très bien. Ah, oh, ça fait paniquer, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une boîte. Pardon. Il me faut un établi, mais s'il vous plaît, offrez-moi une base. Attends. Non, c'est bon. J'allais dire, peut-être que je devrais faire une save, mais ça y est, le point de contrôle a fonctionné. Comme je vous le dis à chaque fois, malheureusement, le jeu ne dispose que d'une seule save. Donc, le fait de mettre sa save dessus à chaque fois fait que si t'as un problème, bah tu l'as dans le baba. Donc, je préfère jouer avec les points de contrôle. C'est bien mieux, bien moins dangereux. Je m'en doutais, je l'ai vu. Il est où? On est où?
Non mais, dégage. 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 Voilà, je l'ai vu hein. Je l'ai vu. Mais je l'ai vu une fois que je m'étais déjà inséré. Donc je savais pas trop quoi faire. Mais c'est pas vrai. Ah, j'ai plus de balles, super. Super. Alors là, j'ai plus rien. Ah si, j'ai 6 balles. Ah bah super, parfait. Parfait, parfait. Attends, non. Il me faut des munitions. Il me faut des munitions. Là, c'est la dèche. Mais en même temps, c'est bien. C'est très bien. Parce que du coup, on a ce retour aux sources, en fait. Et quelque part, ça fait plaisir. Je me sens bien à galérer. Enfin, je me sens dans métro. Ok, vas-y. Recherche ça. Ensuite, tac, tac. Vas-y, pompe. Vas-y, pompe. Pompe et l'op. Bordel. Arrête pas à grimper. Arrête pas à grimper. J'arrive pas. C'est moi qui suis nul ou pas? Ouais, d'accord qu'on peut y aller là. Bordel. Attends. Eh, j'arrive pas à grimper. Ah, c'est bon. C'était fastidieux, hein. Dis donc. Ok, nice. Nice, nice. Bonjour, monsieur. Ouais. Oh. On est au poste des commandements. Et y a rien d'intéressant. Ah, y a rien d'intéressant. Putain, mais c'est pas vrai, c'est la vraie pauvreté. Je suis triste. Je suis méga triste. Ah, ça fait carrément des geysers de feu. Non, mais on en est là, quoi. Il y a une boule de paille à l'intérieur. Ok. Bon, je pense avoir récup tout ce qu'on pouvait récup là-dedans. À moins qu'il y ait... Sans ennemis. À moins qu'il y ait du coup, pardon, des collectables. Mais les collectables, on sait pas. Je pensais pas autant jouer de la mitraillette à billes. Ça fait peur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a de quoi faire un goûter. Excellent. Très content. Ah ah! Une boîte à matos. Qu'est-ce que... D'accord. Donc je pense qu'ici j'aurais pu récupérer des jumelles. Ou alors, c'est pour me dire qu'il faut regarder. Il y a une flèche à suivre. Non mais on va aller là-bas. Ok. Alors par contre, j'ai le réflexe à chaque fois d'appuyer sur le pad. C'est pour ça que j'ouvre le menu, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Ok, on est dehors. Bon, très bien. J'ai un endroit à aller voir. Le seul, d'ailleurs, pour le moment. Est-ce que j'y vais avec le fourgon? Oui, non, peut-être. Est-ce que je me dis que le fourgon, il est juste là, hein. Peut-être laisser le fourgon. Non, je vais laisser le fourgon parce que là on a toute une phase. Oh là, il y a de la lumière. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, j'arrête pas de me gouer avec les touches. Qu'est-ce bonbon? Il y a des gars qui bricolent. Ok, bah ils ont l'air aucunement alarmés. Tout va bien. Méchant. Non, je pense que c'est des méchants. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ça, puis le reste. Je suis sûr qu'il y a un truc secret dans le désert ici. N'hésitez pas, hein, si vous savez des choses, sans spoil encore une fois, vous avez le droit de le dire. J'ai l'impression d'entendre des voix. D'accord. Ils sont un milliard. Ok, t'as, ils en mangent des billes, hein. Ah, les billes dans la bouche, ils aiment, hein. Ok. Ok. Ça a fait un bruit de tôle. Oh, c'est la tôle. Oh, la vache. On dirait un ronflement. Oh, y'a un démon. Oh, y'a un démon. Très bien. Bah, écoute, hop là, on s'arrache. Attends. Y'a quelqu'un. Oh là là, puis il a bien gardé sa base. Attends. Parce que déjà,
Regardez, il y en a un qui est collé au mur là. Donc dans le genre discrétion, il est pas mal. Ensuite, non, bon, on va y aller à coup de pistolet. Hein. C'est bon. Ok. Bon, j'ai juste plus de balles. Quoi? 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 Oh, mais. Sors d'où, toi? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Le pire, c'est que je crois que c'est une base! Vas-y! Plante-le! C'est bon? Oh, dis-moi que c'est bon. Oui? Oh, super. Je crois que c'est une base. Je crois que c'est une vraie base. Oui. Oui, c'est une base. Alors, panique pas trop. Alors, ça continue en bas. Ce qui est pas non plus là pour me rassurer. Hein. C'est une base. Oh, c'est une base, mais oui. Mais oui, mais tellement oui. Hop, je prends ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh, mais c'est l'arme de tout à l'heure. Celle où j'avais zéro mun. Or, par contre, attends. J'ai plus de lumière. Je vais aller voir ce qu'il y a par là. D'abord. Oh, je suis content, j'ai trouvé une base. Oh, j'ai trouvé une base. Oh, mais il m'en fallait tellement une. Allez, hop, allume-moi ça. Par contre, j'aimerais bien fermer la porte. Bon, je pense que je crains rien, hein, sinon il l'aurait déjà fermé, mais... C'est jamais, ça se trouve, c'est totalement l'inverse. Et on peut très bien se faire attaquer dans la nuit. Ok, merci pour les ressources, mon pote. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Qu'est-ce que je vais trouver? Ouais. Je suis pas méga rassuré. D'accord. C'est une double sortie en fait. Tain, je suis heureux. Oh, je suis heureux. En plus, elle a tombé la nuit. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, ce n'est pas une fin d'épisode. Don't panic, don't panic. On pourrait croire, mais ça ne l'est pas. Il y a une caisse par terre. J'avais pas vu. Je suis la joie. Alors, parce que là, faut qu'on se refasse. Bon. Ah, puis faut qu'on se refasse genre violent. Mission de fusil. Sniper. Mais oui. Mais oui, mais tellement oui. D'accord, c'est un fusil sniper. Mais il me le fallait depuis tellement de temps, ce truc. Canon long. Et du coup, c'est un vrai sniper. On me l'avait dit, hein. On m'avait dit, t'inquiète, Kazma, très bientôt, t'as un vrai snipe. Oh, ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, du coup, là, on est bien. On est bien. En termes de nettoyage, on est pas mal. Je vais réparer mon masque à gaz. Je profite, hein. Casque renforcé, parfait. Contrôleur de charge, parfait. Cartouchière, très bien. Non, je pense qu'on est bien. Alors ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être ça, en fait, qui fait bip 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 à chaque fois. Bon, par contre, j'ai pas du tout fait ce que je voulais. Pas grave. Enfin, si, j'ai repris des munitions de snipe. Mais j'aimerais bien en prendre de pistolet. Attends. Là. Touche, 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 touche. Ah, d'accord. Et ben, ce n'est pas plus. Ça ira. Ça ira. Ok, j'ai trouvé un campement pour la nuit. On est good. On est good, on est good. Et du coup. Du coup. J'avais pas vu qu'il y avait un truc là-dedans. Bah, super. Parfait. Oh, je suis tellement content là. Ah, si. Non, on est bien. Franchement, on est bien. Donc, petit dodo. On passe la nuit avec Kazma et on voit ce qu'on peut faire. On va peut-être aller rendre une petite visite aux gars juste en dessous là. Quoique, quoique, parce que attends, si je veux aller les voir, l'idée ce serait d'y aller de nuit. Ouais, on va y aller de nuit. Bon, allez, pour cette fin d'épisode, qui va sûrement encore durer une demi-heure, on ne sait jamais, on va aller voir les techniciens juste en bas de la rue, parce que je sais pas trop ce qu'ils sont en train de trafiquer. Mais, il y a un truc quand même. Il y a un truc. Et on peut pas les voir d'ici. Ce serait cool ça quand même. Et là, je vois un truc. Pourquoi tout à l'heure je pouvais pas scanner? Allez, indique-moi un point. Ah, il veut pas. Il veut pas. Et là-bas, il y a des chacals. Bon, bah écoute, hein. On va attendre la nuit une seconde fois, au moins comme ça, on sera sûr de l'intervention. Bon, on s'en sort bien. Franchement, c'est la misère, mais c'est la bonne misère. Putain, la vache. Et pourtant, depuis le début de l'épisode précédent, je la sentais moyen, parce qu'en termes de ressources, j'avais que dalle. Mais non, on s'en sort. Franchement, on s'en sort. C'est dur, mais on s'en sort.
Ok. Don't panic. Don't panic, don't panic, don't panic. Ok. Action. Réaction. En plus, maintenant, on a un sniper. Avec ça, on peut faire le taf. Bon, peut-être pas là, du coup, mais on pourra faire le taf. Alors, j'ai pas fait gaffe, par contre, j'ai combien de balles? Mais ça me fait peur, ça. C'est pas vrai, hein. Ok, eux, ils sont tous morts. Enfin, j'espère. On va prier pour qu'ils le soient, hein. On a les lunettes de vision thermique. Là, on a une sacrée falaise qu'on va peut-être éviter de dévaler. Voilà. Attends, mais qu'est-ce qu'ils bricolent? C'est quoi l'idée, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas. Je vous jure, j'essaie de comprendre, hein, mais... Je comprends pas. Je vérifie qu'il n'y ait pas des mecs en haut. Par contre, il y a de la lumière là. Ça veut dire qu'il va se passer un truc ici. Ouais. Eh bien... Allons-y. C'est parti. On a laissé le fourgon là-bas. Oh, ça va, il est pas si loin, en fait. Je le voyais plus loin. Non, ça va. Tranquille, tranquille. On va recharger la lumière. Alors, je suis désolé. Volontairement, et je pense que vous en doutez, mais j'allumerai pas la lumière. Pour éviter les problèmes. Par contre, je vais pas hésiter à jouer avec les lunettes thermiques. Lunettes thermiques. Ok. Et là, il y a quoi? C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des renfoncements. Un bout de vaisseau encore. Et ça fait bip bip, hein. Mais je pense que ça fait bip bip parce que j'ai mon gadget qui fait bip bip. Ah. Ouais. Non mais ça doit être ça. En fait, cherchez pas, j'ai trouvé. Alors je sais que je vous ai posé la question si vous saviez ce que c'était. Mais du coup, je pense avoir trouvé tout seul. Comme un grand. Et ouais. Nananer. Et du coup par là, par là on va sûrement tomber dans le camp directement. D'accord. Et ben parfait. Alors l'idée c'est quoi? Alors c'est pas des ennemis à proprement parler, toujours. Ils ont l'air neutres. Je sais pas trop quoi penser, en fait. Je sais pas. Du coup, j'évite quand même de me faire voir. Mais ça se trouve, j'étais repéré depuis le début. Non, mais tu peux pas passer inaperçu. Tu peux pas passer inaperçu. Attends, on est obligé de se faire voir. Non. Non, mais c'est pas possible. J'ai couru. On l'aurait déjà vu. On va essayer de mettre des coups dans le dos. D'accord. Oui. Oui, donc oui. Ok. Je pensais que je devrais y aller avec le véhicule. Alors, je vois qu'il y a un camion. D'accord, il y a une tête de mort. Super, je suis content. Eh ben, c'est parti. Tu veux quoi, Mirza? Je te connais pas du tout. Pas du tout. Tu viens nous surveiller, hein? Tu viens du baron? Tu viens de la plateforme, hein? Pardon, Mirza, je suis un esclave idiot. Je sais rien, rien du tout, rien. Le maître est là-haut, le maître c'est tout, oui. Ok, encore un endroit où ils ont pété un plomb. Alors ce qui est marrant par contre, c'est qu'ils parlent de baron et de plateforme. Ce qui, oui, évidemment me fait rappeler notre Let's Live ensemble hier sur Stacking, un super jeu que je vous conseille de voir sur la chaîne. Encore une nouvelle aventure indé qu'on a terminée en une seule journée, je suis très content pour ça. Mais ouais, du coup c'était exactement le même délire. C'était à la fin, le boss final c'était le baron sur la plateforme. Et c'est marrant de voir à quel point on y retrouve des trucs. Alors que c'est deux jeux et deux univers qui n'ont rien à voir. Genre rien à voir, violent. Ok.
Ok, je comprends pas trop cette zone en fait. Je pense que personne la comprend réellement en fait quand tu débarques. Donc j'y vais en mode. Fais attention hein, quand même. Je sais pas sur quoi on peut tomber. Okay. Alors, petite note. Oh, la toute première est journal du second. Alors, juste avant d'appareiller, il me dit « Attention, conteneur numéro 406, c'est une cargaison spéciale pour tu sais qui. Tu en répondras de sa tête. Enfin, de ta tête. De ma tête. Et je suis censé faire quoi, moi, maintenant? On a perdu le contact en pleine nuit, le temps s'est détraqué, le vent du nord soufflait si fort que j'ai failli me chier dessus. J'ai jamais vu de vague pareille dans cette flaque d'eau de toute ma vie. Le roulé était si fort que certains conteneurs, dont le 406 justement, sont passés par-dessus bord en emportant deux membres de l'équipage. Mais en quoi ça serait ma faute? J'aurais dû l'arrêter à main nue, peut-être? J'ai noté les coordonnées, j'ai fait tout ce que je pouvais. S'ils tiennent tant que ça leur cargaison, qu'il aille la repêcher au fond de l'eau. Alors, est-ce que là on est en train de me parler d'une éventuelle cargaison de matos intéressant à aller chercher quelque part? Parce que là il y a eu la baisse des eaux. Mais du coup, sûrement qu'on a quelque part un container qui a plein de matos. Sûrement. Ou alors un truc qui n'a rien à voir. Ouais, on avance hein. Ah pardon. C'est ça le problème? Alors c'est peut-être ça. T'as une sacrée tête toi hein. Ils ont tous des sacrées têtes. Ah non, pas tous, il y en a ça va encore. Ouais. Est-ce qu'ici aussi ils pensent que l'électricité c'est mal? Je pense pas. Enfin je pense pas dans le sens où j'ai quand même l'impression que ici ils utilisent un chouïa plus d'électricité. Ouais, ça doit être les water. Ça doit être les water. Là on a quoi? On a rien. Super. Bah super. Ah bah super hein. Franchement classe. Classe. Par contre j'ai entendu un bip-bip. Je pense que le bip-bip c'est pour dire on a plus de jus. Voilà, c'était ça. Ok, ouais, c'est tout rien. Un coup on voit tout, un coup on voit rien. Ok. Bien. On a eu tous les gangsters. Bon. Et là je suis très content d'avoir mes lunettes thermiques. Parce qu'à tous les coups là un coup de phare et c'est fini, t'es repéré. Tu peux plus rien faire. Ok, on passe en mode ténèbres. En mode ténèbres. Alors, voyons voir. On est pas installé comme des rois ici. Je pourrais rester là toute ma vie. Cet endroit est génial. Dommage qu'on va bientôt partir. Quelqu'un a des nouvelles? J'en sais foutrement rien. Pourquoi? Tu veux qu'ils aillent où? On les tient par les couilles. Et puis, Danat est avec eux. C'est un bon esclave. Il est capable de leur botter le cul plus fort que nous. Danat, ce gros fainéant, je te parie qui roupille à Londres. Et alors? Laissons-le roupiller? Même si un crétin se tire dans le désert, il reviendra en tirant la langue comme un clébard. Implorant qu'on le laisse boire un coup. Ou les chasseurs le ramèneront. Quand je t'entends parler, ça me donne envie de gerber. De gerber? C'est pas con. Va te faire foutre! Mais ils sont super classe, dites-moi! Ah! Voilà, c'est ce que j'attendais. Parce que quand il a parlé de gerber, je me suis dit que l'un des deux allait probablement se lever. Et que du coup, j'allais profiter pour castainer celui-là. Stun. Et que pendant ce temps-là, on ira rechercher l'autre. En mode splinterisation. Et le pire, c'est qu'il a même pas vu que son pote, qui était genre à 2 mètres, était couché. Et ben parfait.
Et bah voilà. En plus, on a eu l'éclair blanc, celui qui indique qu'on a fait la bonne fin. Donc je pense qu'il reste pas d'ennemis. Alors attends, juste on prend ça. Voilà. Non mais c'est ça, j'ai vu la jauge baisser. Ok, trop bien cette montre. En fait, tout ce qui est bibibib, c'est pour dire qu'il reste du truc. Enfin, du truc, des trucs. Il y a des trucs. Là, je parle de ça. Allez. Alors par contre, comme arme, c'est bien, hein, mais c'est pas... Oh. Wow. C'est un pompe. Oh, il est beau. Oh, c'est un vrai pompe. Oh, c'est un vrai pompe. Mamma mia. C'est ce que j'attendais depuis tout ce temps. Ok, alors toi, je t'ai déjà. Oh, yes, une note. Alors, lettre du chef. Je sous-signé Arsène Mustapha déclare par la présente que je suis le seul chef de mon peuple. Et non un minable traître nommé par toi, la crapule qui se fait appeler le baron. Au nom de tous les habitants du Canyon Libre, je te préviens que nous n'aurons plus peur de toi et que nous ne céderons pas non plus face à tes sbires. On en a assez. Il n'est plus question d'être parqué comme du bétail et de voir nos jeunes hommes et femmes réduits en esclavage. Nous ne vous laisserons plus faire. Nous allons prendre les armes et chasser tes chiens et tous vous tuer. C'est à ton tour d'avoir peur de nous, car nous luttons au nom de la liberté et nous mourrons tous pour la liberté s'il le faut. Et nous n'avons que faire de ta flamme sacrée. Dégage de chez nous, car nous ne t'avons jamais en... Quoi ? Car nous ne t'avons jamais envahi. Arsène Mustapha, président du peuple libre du Canyon Libre. D'accord. Donc sûrement un mec qui est retenu en otage quelque part. Par la faute du baron. Peut-être même... Attends, tu sais quoi ? Peut-être même qu'il est au-dessus. On peut pas avoir le masque là ? Non, on peut pas. Ok. Bon, je me suis pas mal refait. Là, je suis content. J'ai un snipe. J'ai un pompe. Là, j'ai ma config préférée du jeu. Parce que c'est une config qui marche bien. Et en plus, j'ai le pistolet à billes silencieux. D'ailleurs, tac tac. Alors, je sais pas s'il reste des mobs du coup. Parce que ça n'avait pas l'air d'être le cas. Attends. On va d'abord aller voir en cabine. Hein. Parce que si ça se trouve. Et bah, si ça se trouve, c'était ça l'objectif. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est quoi? Alors, j'ai récupéré une amélioration. Donc, c'est cool. Je sais juste pas c'est quoi. Ah, ça continue de monter, d'accord. Et il n'y a rien dehors. Très bien. On n'est pas encore arrivé à la cabine. En extérieur, on avait vu une lumière. Oh! C'est une planque. Top. Alors là, top. Bonjour. Ok. Alors, il n'y a personne. Je sais pas quoi penser. Ça continue de grimper. Attendez. On va aller voir juste tout en haut. Après, on redescendra faire quelques petites upgrades par rapport à notre matos avec l'établi. Et on verra bien. Et, ah, d'accord. Tyrolienne. Alors, juste par contre. Si on pouvait éviter de tomber comme un quinca, ça serait bien. Je veux pas prendre la tyrolienne, j'ai encore des choses à faire. Mais d'accord. Je m'attendais à trouver le président du Canyon Libre. Je sais pas. Je m'y attendais. Après, deuxième possibilité, il est enfermé directement là-bas, chez le baron. Mais du coup, ça veut dire qu'à tous les coups, il va falloir trouver un moyen de le libérer. C'est quoi comme arme, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une kalash. Ah mais c'est le snipe. C'est le sniper. Ah ouais. Bah écoute, ma version elle est un peu plus snipante. Par contre j'ai pas trouvé le lit. Ah puis il y a des comment ça s'appelle. Il y a des jumelles de partout, ça c'est bien. J'ai pas trouvé de lit. Quelqu'un a vu le lit? Il y a pas de lit. Bon bah il y a pas de lit. Alors petit tour d'établi. On voit ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme upgrade? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà plus gros chargeur. Voilà, super. Ensuite, un pompe. Ah, je suis content. Franchement, clac clac. Un pompe qui ressemble à un pompe en plus. Canon court. Malheureusement. Oui, ça ira très bien. Oh, et j'ai déjà le chargeur 6 coups. Enfin, 6 munitions. Ben, parfait. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a récup? Un truc de la montre, je m'en doutais. Détecteur de mouvement, cet appareil sophistiqué utilise une multitude de capteurs et de programmes informatiques pour identifier les unités ennemies en mouvement. Alors du coup, on va essayer. Bon là, il n'y a plus trop d'ennemis, je pense, mais... comment ça fonctionne? Attends.
Parce que du coup, ça fonctionne comme un radar. Comme les radars. Pas les radars, les sonars. Ah, parce que c'est ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout. Je prends la tyrolienne, on retourne à la base, les casemas, et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode, ce qui sera très correct selon moi. Voilà ce que je veux voir, un chouïa qui a 3. Ok. Ah, les mecs, ils continuent de creuser, hein, parce qu'ils se sont forcés, mais... On peut pas leur annoncer que c'est fini, qu'ils ont plus rien à craindre. Enfin, plus rien à craindre. Non, ils ont pas plus rien à craindre parce qu'il y a encore le baron, mais... Techniquement, les gars, il n'y a plus personne ici. Posez-vous 2 minutes. D'accord. Bon, bah visiblement, on peut rien leur dire de plus. Bon, messieurs, dames, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais tout seul retourner à la base comme un grand. Parce que je suis capable de le faire. Je vous fais de gros bisous en espérant que cet épisode vous ait plu encore une fois. La prochaine fois, on poursuit l'exploration du désert de la Caspienne. Je crois que ça s'appelait. Je sais plus, j'ai un trou. Allez au phare. Ouais, c'est toujours objectif de base, ça. Ok. Et on verra bien sur quoi on peut tomber. Parce qu'il reste des choses, hein. Il reste des choses. Mais à mon avis, ça va progresser au fur et à mesure. Je vois qu'on peut aller tout en haut au nord. Donc je pense que c'est intéressant d'y aller pour un bonus. Peut-être pas pour du principal, mais pour un bonus. Parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir ni bâtiment, ni quoi que ce soit d'intéressant pour faire avancer l'histoire. Toujours est-il que dans cette session, on a déjà fait 3 épisodes. Et qu'on a déjà bien avancé, selon moi. La base est là-bas. Gros bisous à tous et Kazma, et à très bientôt pour la suite de notre aventure 1. Incroyable sur Metro Exodus. Ok. C'est Rock'n'Roll.